Et salut tout le monde, c'est Comodice, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour l'épisode 2 sur Transport Fever. Après un délai normal je trouve, vous me direz si ça vous convient. Et donc avant, j'ai fait un petit donc timelapse où j'ai surtout rallongé la ligne donc de deux stations. Donc la ligne RER qui allait déjà de base de seulement Belfort ici présent en passant par Montbéliard jusqu'à Clerval. Maintenant je l'ai rallongé jusqu'à Besançon et pour finir jusqu'à Dole. Avec une petite gare terminus qui sont assez sympathiques. Et là une gare un peu plus grande comme vous pouvez voir à 3 quais. Ça aussi vous l'avez en timelapse. Pourquoi 3 quais? Parce que oui, j'ai créé une ligne annexe qui relie Mouchard, Besançon et Étalon. Et cette ligne donc, comme vous voyez, les quais sont très petits. Cette ligne, j'ai déjà trouvé le train qui ira avec. Et c'est un très joli train français. Bon là, le tunnel, ça va, j'aime bien. Je sais pas trop ce que ça donnera. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'aide beaucoup de savoir ce que vous en pensez. Avec les arbres, ça m'a permis de camoufler un peu toutes les imperfections. Donc là il revient et j'ai fait en sorte que les trains donc prennent empruntent les deux voies, l'histoire que ça bouchonne pas et que je puisse mettre deux trains, voilà. Mais bon, comme vous voyez donc là du coup les trains vont rouler à droite et non pas à gauche. Et donc là ils vont se rétracter sur une plateforme. Et là pareil, donc là j'ai mis sur deux voies l'histoire qu'ils puissent se croiser, là il y a des dépôts. Et pour finir on se retrouve avec la même station qui est un peu au cœur du village. Donc maintenant il va falloir aussi. Là j'ai installé des petites voies un peu high speed. En fait je voulais essayer de m'amuser à faire un peu genre la ligne est en train d'être rénovée avec des voies high speed qui peuvent monter donc jusqu'à 300 km/h et permettre donc au TER de monter à 140. Je sais pas si vous réussissez à monter mais en arrivant là ils vont faire 120 et là on va peut-être faire une pointe à 130 avant d'arriver en gare. Bon, du coup maintenant on va commencer donc par mettre en circulation les deux arrêts de plus pour notre ligne. Donc on pourra peut-être même doubler le nombre de trains je pense, voire même tripler. Alors, oui. Du coup, donc Clerval, nous allons jusqu'à Besançon et même jusqu'à Dole. Et à Dole du coup on arrive, on repasse à Besançon, on repasse à Clerval et c'est bon. Du coup on est bon, du coup donc on a comme vous pouvez voir donc on a rallongé notre ligne qui est sympathique, qui est maintenant réduit en 5 petites villes. Comme vous pouvez voir j'ai mis Dole en terminus. Je trouve que ça va être déjà pas mal. La ligne est déjà assez longue. Et donc Besançon en fait j'ai installé aussi un petit arrêt, on va faire une ligne de bus dans l'épisode également. Alors du coup il va falloir du coup ajouter quelques petits nouveaux trains parce que là la liaison n'est pas très longue. Après on m'occuperait de cette ligne là en mettant deux petits TER. Alors là où sont mes trains, on va attendre que ça passe tranquillement. Hop, comme vous pouvez voir là, on a le premier train qui arrive en gare de Besançon. Voilà, arrive en gare de Besançon. Attendez, juste une petite incompréhension là. Pourquoi là il est arrivé de la droite? Ça, je ne le sais pas. Et donc à partir de ce moment là il arrive à Dole, il est à 100, ouais j'ai pas trop le temps de regarder. Ouais donc là il rentre assez tranquillement, il arrive à Dole, il referme ses portes, là il repart, il fait demi-tour, il commence à prendre. On va voir si c'est faisable de là arriver à 140, je n'en suis pas sûr. On va regarder. Voilà là il va pouvoir, ah ben non il a perdu sa vitesse malheureusement. Donc il va monter quand même à 130, c'est déjà pas mal. Avant de réduire 140 quasiment, avant de réduire pour arriver en gare de Dole. Et non j'ai rien dit.
Bon, du coup, on va mettre sur pause et on va balancer. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de monde, 48 personnes, enfin il y a pas mal de monde. Et donc nous allons pouvoir ajouter, hop, quand tu veux, unité multiple. Et j'utiliserai CTER pour faire la petite liaison. Et donc nous on va continuer avec nos petites nos petits M. Ah non, Z8100. Donc on va en ajouter deux pour l'instant. Erreur 1. Voilà. Voilà, petite sauvegarde, qu'est-ce qu'on a gagné? Bah écoutez, une nouvelle unité multiple que je n'utiliserai pas parce que c'est pas français. Par contre cette locomotive est très sympathique et je l'utiliserai sûrement. Voilà, donc là on ajoute encore un train et on va en ajouter encore un derrière. Voilà, donc 120. J'essaie de faire une ligne assez bien et qui tourne pas mal histoire que ça soit pas trop plat, quoi, que ça fasse pas entre guillemets trop ligne de à grande vitesse ou je sais pas quoi. Et bon, on a le temps, on va en ajouter un de plus. Voilà. Et du coup on en ajoute un dernier. Ça va se réguler, c'est pas trop là le problème. Mais du coup voilà, notre ligne est pas mal, elle part comme ça et elle va jusque là. Alors deuxième étape, vu que tout est prêt, je vais du coup hop créer la ligne donc qui va partir de étalon, qui va passer par ici. J'espère juste pas que ça va détourner la ligne. Bah, pour l'instant ça va. Et là ça la détourne. Et je ne veux pas que ça la détourne. Du coup on fait ça. On va dans les signaux. Et normalement c'est trop loin de faire comme ça. Elles sont vraiment toutes à la fin, quoi. On va mettre juste ici notre passage. On passe ici, Besançon. Voilà. Mais, oups, pardon. Du coup là on en replace des petits signaux. Et du coup, étalant, hop. Voilà. Bon, ça doit être un bug de... Ça doit être un bug parce que là il croise pas. On va régler ça tout de suite avec hop. And qu'il faut pas qu'il croise. Donc comme vous pouvez voir là, donc là ça partage une petite partie. Avant de repartir, là ça passe bien sûr de voie, et là ça partage une petite partie avant de passer sur une voie. Mais écoutez, ma foi, on est pas mal, du coup on va pouvoir aller au dépôt ici. Et écoutez, envoyer notre premier train, notre premier autorail Caravelle. Il fait 42 mètres, il est très sympathique, vous allez voir ça tout de suite. Voilà, on le lance. Oui, très sympathique, autorail typiquement français. Celui-ci arrive au 120 km/h, mais je doute fort qu'il arrivera au 120 km/h. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire hop ça. On va s'en acheter un. Et on va le mettre. Voilà. Voilà, on va en mettre que deux pour l'instant. Écoutez, est-ce qu'on en a qui attend? Non, pour le RER pour l'instant. Eh bien écoutez, donc là on a tout le temps les erreurs qui arrivent en gare. C'est bien, en plus la gare tournante, je trouve ça très stylé. Bon, on attend que notre petite autorail Caravelle qui va là entrer sur les voies, mais qui garde sa voie du coup, qui n'est pas électrifiée, puisque c'est un autorail totalement diesel, qui fait une belle traînée noire d'ailleurs. Forcément, ils attendent longtemps. Voilà, donc arrivé en gare. Donc là, hop. Est-ce que les portes s'ouvrent? Ça, je ne sais pas. Les portes s'ouvrent, c'est très magnifique, très de toute beauté. En face, donc là, il arrive tranquillement.
Voilà, donc là il repart. Là il ne va toujours pas partager ses voix avec l'autre. Voilà, est-ce que sur lequel, sur le point lequel, sur lequel je m'intrigue, c'est le tunnel. Donc on va voir tout de suite le passage de tunnel. Là il est à 98, il est à 100 km/h pour le passage du tunnel. 106 km/h, et là il s'apprête à ressortir. Voilà, il ressort tranquillement. Écoutez, 114-115, c'est très sympathique ma foi. Là mon trottoir il revient. L'idée ce serait soit qu'ils se croisent là, soit qu'ils se croisent là, mais qu'ils se bloquent à peu près jamais. Et re les amis, on se retrouve pardon, juste après. Donc j'ai déjà battu la ligne de bus. Comme vous pouvez voir, bon, il n'y a que 4 bus en circulation pour l'instant. Je pense que je vais en rajouter quelques-uns. Cet arrêt de bus est très sympathique, juste malheureusement pas un peu buggé, mais vous allez voir, de toute façon il y a un bus qui arrive, je vais vous laisser regarder. Mais c'est un peu trop mécanique. Vous voyez là, il va tout droit et puis hop, il tourne. Un peu trop mécanique, mais très stylé quand même. Ce bus a 25 de place, impeccable parce que il est fou. Il y a encore quelques personnes qui attendent. Donc la gare de Besançon commence à avoir quand même beaucoup d'attrait, beaucoup sur la ligne de TER. Quand on peut y avoir 27 personnes qui attendent pour le TER et 21 pour le RER, ce qui m'étonne quand même un peu. Mais voilà, c'est très bien, hein, moi je vous dis. Donc du coup, on va commencer simplement par ajouter des petits véhicules routiers. J'ai pas encore les véhicules routiers français, ça devrait arriver d'ici 2 ans peut-être, mais ça je ne sais pas trop. Donc j'ai nommé la ligne de bus 20. Bah en fait c'est quand même un peu dans les grandes villes quand vous regardez. Par exemple à Paris, je sais que les lignes de bus débutent à 20. Et ça défend, je sais pas, là, ça doit dépendre aussi un peu. Alors ici c'est un peu particulier parce que comme vous pouvez voir on peut pas. Bah là c'est pas mal parce qu'ils devraient pas se bloquer normalement. Bah ils vont pas se bloquer. C'est bien, ils se régulent pas trop mal là. Ils vont pas se bloquer, par contre c'est lui qui risque de se bloquer. Ouais non c'est bon, il va vite passer sur un autre tronçon. Voilà, il y a beaucoup d'activités ici. C'est marrant parce qu'on voit vraiment la diversité des trains français. Et parce qu'il faut savoir que le réseau de trains français est l'un des, enfin quasiment le plus grand réseau. Donc comme vous pouvez voir, en fait mes caténaires sont repassés de part et d'autre. J'ai désactivé le mode puisqu'en fait je sais pas, je trouvais que ça faisait moins français d'avoir au milieu plutôt que comme ça, là où on a vraiment typiquement c'est ça quoi là. C'est quoi? C'est ça les lignes françaises. Alors là les mecs on a un... C'est un autre. C'est un nouveau. Attendez, hop, si on regarde comme ça. C'est stylé mais non. Non ça me... Ça me plaît pas. Bah attendez, j'ai toujours le même là, non? C'est pas là, c'est à l'arrêt d'avant. C'est bizarre, j'ai plus autant de choix. Bon, au pire ça je gérerai plus tard. Alors du coup donc dans la fin, suite et fin de cette vidéo, et eh ben je vous propose d'essayer de créer une nouvelle ligne. Je verrais bien créer une grande ligne, une ligne assez express on va dire, qui partirait de Belfort, et à la limite je la verrais bien qui passe par Besançon. Ouais mais non, parce qu'en fait je la ferai partir d'une autre gare. Donc attendez. Et je vous propose, vous voyez ici, je trouve que c'est pas trop mal, mais le problème c'est que je veux pas mettre une gare terminus. S'il y a des modeurs qui voient, je serais trop bien d'avoir des nouvelles gares. Oh, déjà donc on a la nouvelle gare ici. Ce serait tellement bien d'avoir une nouvelle gare terminus. Quand si, alors elle ressemble à quoi celle-là? C'est des nouvelles gares que j'ai pas vues. Ça lague un peu le temps. Ma foi elle est très très stylée.
Et elle irait bien le panorama, mais on va voir. Gare surélevée. Et ça, c'est une gare un peu high speed, voilà. À la limite, vous savez quoi, le mec? On va utiliser celle-là. Ce qui est très très stylé. Il va falloir que je trouve un bon endroit pour la placer. Mais le meilleur endroit pour la placer serait ici, évidemment. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Et on va la mettre en 400 mètres, moi-même 480 mètres. Pour l'instant, on va laisser 4 voies, parce qu'après je pourrais mettre 12. Pour l'instant, non, on va laisser en 4 voies, c'est déjà bien les 4 voies. En grande vitesse cette fois, 1000 transit, on va en mettre 2 dans la last one. Voilà. Et du coup, en fait, je sais pas. Bon bah écoutez, on va laisser comme ça. Seconde liaison routière. Non, parce qu'on est sur un côté déjà. Bon bah voilà. Du coup, on a notre gare qui, ma foi, est sympathique. Maintenant, il va falloir essayer de la placer. Ah, très jolie. J'adore comme gare. Train Fever. On est Transport Fever, mais c'est pas grave. Ah non, c'est une gare allemande. Très stylé, le petit hall, etc. Je suis pas sûr qu'on ait le temps dans cette vidéo donc d'établir totalement. Voilà, ça c'est magnifique, franchement, les caténaires qui comme ça c'est 1 sur 4. Je pense pas qu'on va mettre la ligne en service dans cette vidéo, on verra ça un peu plus tard. Du coup, je pense que déjà ma ligne, je la ferai passer par là, puisque ce sera le terminus de cette ligne. Alors, maintenant faut que je trouve une destination. Ça va pas être une grande vitesse, ça va être une ligne du style avec les trains que je vais vous montrer maintenant. Donc, non. Avec ces wagons-là, les wagons corail, qui sont très sympathiques. Vous voyez qu'aussi j'ai ajouté un petit mode qui rajoute ces wagons. Plus particulièrement ceux-là, voilà. Qui sont très sympathiques, mais on verra ça un peu après et voir si ceux-là, je les remplacerai pas. Quand il y aura vraiment beaucoup de monde sur la ligne et que mes trains à 250, 144 passagers ne suffiront plus. Alors là, vous pouvez voir que c'est magnifique, la dégradation du matériel, puisque celui-ci a déjà 12 ans, ce qui est déjà pas mal. Et d'ailleurs, je vais vérifier tout de suite la durée de vie. Elle est de 17 ans, donc on est encore à 5 ans, voilà. Mais voilà, on est quand même pas très très loin. Alors du coup, donc je vous propose que pour finir l'épisode, on va juste s'occuper de un peu là le centre autour de cette gare. Alors déjà, on va pas utiliser le même parce qu'on l'a déjà utilisé, donc voilà. Pause. Sympa. En tout cas, il est très sympa ce petit terminus. Du coup, donc là, on va prendre ça, on va prendre la route. C'est la route américaine, j'en étais sûr. Enfin, un truc régulier bien. Et là, hop, on relie. Et du coup, va falloir que je trouve un endroit où relier ça, déjà. Eh bien écoutez, après donc la création de ce centre, donc qui est sympathique, qui est un peu parallèle à cette gare là, mais cette gare là ça restera toujours, pardon, la gare TER, alors que celle-ci sera la gare grande vitesse de Belfort. Et notamment, pour l'instant je vais les mettre là, et après pour les trains qui ne feront que passer, même si je sais pas après où trop où je pourrais les faire partir. Mais comme ça, ils pourront passer là et les trains de marchandises les passeront au milieu. Ou voilà. Tiens, d'ailleurs, c'est bizarre, il n'y a pas de terminus. Alors, du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, écoutez, bah, n'hésitez pas à liker pour moi, liker, commenter, surtout commenter. J'ai pu avoir quelques commentaires, quelques réponses sur donc la vidéo précédente et ça m'a, enfin voilà. Savoir qu'il y a des personnes qui regardent et qui donnent leur avis, ça aide beaucoup beaucoup. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter.
vous abonner, je m'en fiche. Moi, ça m'est totalement égal. C'est vous qui choisissez, de toute façon, aucune obligation. Et en tout cas, bah, moi, je vous dis du coup à la prochaine pour l'épisode 3 de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde!